Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui à la base militaire de Los Santos pour un nouvel épisode de Mcopolis, voilà, à l'SPDFR bien évidemment. J'espère que vous allez tous très bien, je suis aujourd'hui shérif. Attention, je ne suis pas militaire, ce n'est pas un épisode militaire. Alors c'est un petit peu basé là-dessus, mais c'est tout simplement parce que nous sommes dans cette zone. Pour cet épisode, on va tout simplement intervenir sur des missions qui sont dans toute cette zone, donc dans la zone militaire et sur plus ou moins toute l'autoroute, toute la côte ouest de Los Santos. Vous allez voir, je me suis fait un petit kiff, donc vous voyez, comme on est basé sur l'armée militaire et tout, on est quand même bien équipé. Voilà, je suis shérif, j'ai mon petit véhicule. Alors on va pas utiliser ce véhicule, c'est juste pour me rendre là-bas au checkpoint, puisque vous allez voir, je me suis amusé, c'est moi-même qui l'ai fait tout seul. Ça n'a pas été téléchargé sur internet. J'ai fait un barrage routier moi-même. Je vais vous le présenter. Écoutez, tout simplement, vous allez voir ce que je me suis amusé à faire. Je suis pas peu fier. Donc en gros, ici on est à la base militaire de Los Santos, bien évidemment. Donc je vous remonte sur la carte. Hein. Vous connaissez de toute façon. On est ici quoi. Los Santos c'est ici la ville. Et nous on est ici. Donc nous avons des militaires qui sont là, qui font des pompes, qui se reposent, qui sont là prêts à intervenir, qui surveillent en tout cas la base militaire. On a ici voilà une barrière. On a des collègues de la police, là vous voyez, regardez lui, il est en train de flasher, il est en train de flasher les voitures qui circulent trop vite. Et à la gauche, on va y aller, je vais vous montrer un petit peu les amis, on va s'engager maintenant, c'est parti. Très dangereux ce que je suis en train de faire, très dangereux, on s'engage. Ici regardez, vous voyez, bah là il y a même un véhicule de sport qui s'est fait arrêter. On a des agents du FIB, du FBI qui est là, je vais vous montrer, on va faire demi-tour, vous inquiétez pas, en toute sécurité. Et on va pouvoir prendre du service juste après. Je me mets sur la bande d'arrêt d'urgence pour entamer un demi-tour sécurisé. Allez, c'est parti. Allez, hein, c'est le pire demi-tour. Et j'aurais pu écraser un motard. Donc là, vous voyez, à tout moment, on peut arrêter des véhicules et leur demander de se mettre en fait à droite. Là, regardez, juste ici. Hop. Voilà. Vous voyez le délire. Donc écoutez, on va se mettre juste ici. On va regarder qu'est-ce qu'ils ont chopé. Donc là, ouais, ils ont chopé un véhicule de sport. Très beau véhicule en tout cas, il s'est fait arrêter. Je pense qu'il est allé un petit peu trop vite si vous voulez mon avis. Très bien. Et donc ici on a on va éviter de se faire écraser. Allez, je traverse, c'est très dangereux. On a un agent du FBI qui est là. On sait pas ce qu'il fait, il se repose. Ça travaille dur, là pareil, ça boit du café. Tranquille, c'est aux jumelles, voilà. C'est moi qui ai tout fait, voilà, je suis pas peu fier. On va pas se mentir, je suis assez content. Hop, on attend avant de traverser. Voilà. Je l'ai pas fait exprès, vous pouvez y aller monsieur, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh là, j'ai pas envie de suraccidenter, voilà, hop. Très bien. Allez, on va prendre ce véhicule du coup, véhicule de shérif, et on va tout simplement patrouiller, attendre peut-être des interventions, on va se mettre tout simplement disponible pour les appels radio. Et puis on est parti tout simplement. En tout cas, j'espère que ça vous plaît ce genre de truc, que je travaille un petit peu en off pour faire ce genre de choses. J'avoue que c'est assez sympa. Moi ça me plaît parce que bah, du coup ça me rend créatif. Ça voilà, ça donne plein d'idées et puis c'est assez sympa à faire. Donc c'est plutôt cool. Alors ce qu'on va faire les amis, c'est que on va s'engager. Alors pas maintenant parce qu'il y a un camion. On va s'engager. Ah, c'est compliqué hein. La circulation est assez dense. C'est pour ça qu'il y a un gros dispositif hein. On est en week-end donc ça y est hein, il y a beaucoup de circulation. Allez, on s'engage, c'est parti, parfait. On s'engage, on va un petit peu patrouiller par là. Par ici, par là, tranquillement. On va aller voir aussi là-bas le petit bar. Il y a un petit bar à droite. Vous savez, un petit terre de repos de l'autoroute. Donc on va y aller, on va un petit peu regarder. De toute façon, c'est un gang de motards, ils sont assez chauds. Mais quand ils vont me voir arriver avec ma tenue, je pense qu'ils vont pas trop faire les malins, hein, bien évidemment. Quand on voit la police qui arrive comme ça, évidemment, on fait pas trop les malins. Et on se tient plutôt à carreau. Donc on va voir comment ça se passe. Ouais, donc il y a bien les motards qui sont sur les lieux. On va vérifier que tout se passe bien. Voilà. On va éviter de les provoquer. Robbery at gunpoint, c'est quoi? Little Seoul, c'est où? Donc c'est un braquage. Ouais, c'est dans la ville, hein. C'est pas pour moi ça. C'est pas pour moi, je refuse catégoriquement évidemment. Je vais ranger mon arme. Attendez, je vais prendre une matraque. Voilà. C'est lui qui m'a crié dessus? Non, c'est pas lui qui m'a crié dessus. Eh mais si, attendez, il me parle. Attendez, je peux lui parler? Ah mais non, mais c'est bon, excusez-moi. En fait, d'accord, j'ai appuyé sur une touche sans faire exprès et du coup je lui ai demandé de s'arrêter mais j'ai pas fait exprès. D'accord, excusez-moi monsieur. Bon, on regarde, on vérifie que tout se passe bien, bonjour. Bonjour, c'est la police. Les shérifs.
Tout se passe bien? Oh là. Bon, visiblement, ça a l'air de bien aller. Oh, une situation d'otage. Oh là, c'est parti, c'est parti, c'est juste à côté sur l'autoroute. Ça se passe où? Ça se passe où? Je ne sais pas. On va prendre la voiture, on y va. Je vais pas mettre les gyros, c'est juste à côté, alors attends. Autant faire ça discrètement, ça se passe où? Ah ouais, d'accord, attendez. La route est bloquée carrément. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oh là! Oh là, il y a une bague! Oh là! Ok. Police, arrêtez ça! Arrêtez ça! Ok, c'est le monsieur. Il est en train de menacer sa femme avec une arme. Ok. Alors là, c'est assez délicat comme situation. Monsieur, c'est la police! Ne faites pas ça, s'il vous plaît! J'ai pas eu le choix. Je suis désolé. Madame, restez là, madame. Venez là. Venez, on va se mettre sur le côté. Oh là là. J'ai pas eu le choix. Oh, il y a des coups de feu. Au secours. Il y a des coups de feu, mais putain, j'ai sauvé une vie là, c'est une blague. Ok, demande de renfort immédiat. Oh, ça part en cacahuète. Ah ouais, mais... Par contre, les gens, ils sont vraiment cons. Putain, ça tire dans tous les sens. Je sais même plus qui sont les méchants, qui sont les gentils. Ok, faut faire gaffe aux véhicules. On reste à terre. Lâche ton arme. Je vais pas te tuer. Lâche ton arme. Voilà. Il est mort. Ok. Ça continue. Ah, oh, c'est terrible comme situation. Ça s'est déclenché d'un coup. Bon, on va vite appeler les coroners tant qu'on y est. Comme ça, ils arriveront. De toute façon, la scène est sécurisée là, presque. Oh là là. Ok, je crois que c'est fini. Non, il y en a encore un. On va devoir rentrer. Hein. Voilà, ça c'était l'action. L'action nulle. Ok, je crois que tout est sécurisé là. C'est bon. Ok. Heureusement que les collègues étaient là. Putain, ça s'est. Oh là là. Ça s'est mal passé. Et à la base, il y avait juste une prise d'otage. Ah non, il y en a perdu des collègues. Non. Ah non, ça c'est des ennemis. C'est bon. Ah, c'est chaud. Il faut que je demande aux voitures de s'arrêter. Hein. J'arrête le trafic dans cette zone. Voilà. J'aurais dû le faire dès le début en fait. Bon, eh, madame, la madame elle doit être traumatisée. Ça va madame? Est-ce qu'on va faire? Je vais vous appeler une ambulance parce que de toute façon. Voilà, je vais appeler une ambulance. Eh, à la base, donc c'est son. En plus, j'ai tué son mari. Hein. Je pense que c'est son mari ou je sais pas. Peut-être que ça se trouve, c'est pas du tout ça. Il y aura une enquête qui sera à mener. On va pas perdre plus de temps là-dessus, mais. Oh là là, c'était chaud. Et on s'est fait fait prendre en sandwich. Bon, je vais quitter la zone. C'est ça mon véhicule, ouais, c'est ça mon véhicule. Je vais quitter la zone. Mes collègues s'occupent de tout. Et on va retourner à notre checkpoint. Ah, je suis dégoûté par contre de cette intervention. Ça a vraiment mal tourné. Je m'y attendais pas. Ok, allez, je pars. La situation va se remettre correctement. Un trafic is back to normal. Donc tout rentre dans l'ordre par là-bas. Mais ouais, c'est assez compliqué comme situation quoi. Je préfère vraiment faire des missions où on contrôle la vitesse des gens plutôt que bah voilà quoi. Devoir faire perdre la vie de certaines personnes. C'est assez compliqué. Alors on va sortir, on va se mettre à gauche tranquillement. Voilà. On va faire un petit demi-tour des familles. Et on va se caler juste ici. Hop. Tranquillement, on va se garer à la cool. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit radar. Voilà, je pense qu'on va mettre un petit radar. Je vais l'aider parce que là, avec son appareil photo, il a l'air un peu con. Donc on va mettre un petit radar là, juste ici. Voilà, c'est sur un coup de tête, les amis. Hein. C'est sur un coup de tête. Donc, je crois que c'est... on va mettre 130 km/h, il me semble que c'est ça. Voilà, impeccable. Et comme ça, le radar va flasher. Et puis nous, on s'occupera de ceux qui roulent un peu trop vite.
On n'est pas une brigade, spécialisée là-dedans. Hein. Attention, hein, moi je suis plus militaire que intervention rapide. Mais voilà, ça fait partie du métier, donc autant vérifier que tout se passe bien. Vous savez quoi, je vais retourner là-bas voir si les collègues s'en sortent, s'ils ont rétabli la circulation. J'attends encore un petit peu, sait-on jamais, quelqu'un qui fait un gros excès de vitesse. Non, pour le moment ça se passe bien. Il y a un bonhomme qui court là-bas. Et attendez, il y a un bonhomme qui court, c'est bizarre. Oh là. Je sais pas si vous l'avez vu. Attendez. Bougez pas, c'est dangereux ce que je fais. J'en ai conscience, il est où? Il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? Monsieur, c'est dangereux, n'allez pas sur l'autoroute. Ouais, c'est dangereux ça. Monsieur, arrêtez-vous. C'est très dangereux. Faut que j'assure sa sécurité là. C'est méga dangereux. Mais il fait quoi en plus? Parce qu'en plus de ça. Mais c'est méga dangereux. Arrêtez-vous, monsieur. C'est super dangereux. Monsieur, arrêtez-vous. J'ai pas le choix. Arrêtez-vous. Vous voulez pas vous comprendre autrement? Voilà, arrête-toi. Mets-toi au sol, c'est pour ta sécurité, je te jure, vraiment. Je te passe les menottes, mais c'est juste le temps de savoir ce que tu fais. Oh là là, c'est dangereux. C'est beaucoup trop dangereux. Qu'est-ce qu'il nous fait, le monsieur? Eh, heureusement que j'ai l'œil, hein. Ah, je suis un bon flic, moi. Allez. Monsieur, venez, on va se mettre en sécurité, là. On va aller rejoindre mes collègues. Alors, rentrez dans le véhicule. Calmez-vous, monsieur. Y a pas de souci, paniquez pas. J'ai pas compris pourquoi il a fait ça, mais... Hop là, hein. J'aimerais fermer la porte, mais visiblement, ça ne fonctionne pas. Elle va se fermer toute seule. Allez, laissez-moi faire mon demi-tour, s'il vous plaît. C'est bon, impec. On va ramener ça au poste, là-bas. Hop, tranquillou. Et on va se mettre là. Putain, qu'est-ce qu'il nous fait, là, le monsieur, là? C'est... Pourquoi vous êtes barré comme ça? Voilà, sortez du véhicule, monsieur. Je vais vous poser quelques petites questions. Est-ce que vous avez vos papiers d'identité sur vous, s'il vous plaît? Attends, déjà, je fais comment? Ah, je peux même pas te demander tes papiers. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Est-ce que vous avez bu? Je ne bois pas d'alcool. Bah, on va commencer par ça, monsieur. Attends, déjà, je vais vous fouiller. Retournez-vous. Premier réflexe que j'aurais dû avoir avant de le mettre dans le véhicule, je me suis trompé, j'aurais dû le fouiller avant de le mettre dans mon véhicule. Mais bon, c'était pour sa sécurité, donc j'espère ne rien trouver de... C'est bon, il n'y a rien de bizarre. On va faire, monsieur, un test d'alcoolémie, un petit dépistage d'alcoolémie, parce que vous avez eu un comportement bizarre. Vous avez eu peur de quelque chose, peut-être? Peut-être de la fusillade de là-bas, c'est possible. Ok, il est négatif. Hein. Enfin, il est en dessous de la limite autorisée. Il a pas l'air... Quand je le regarde, il n'y a pas besoin de faire un test de drogue, hein, regardez-le. Non, mais il a eu peur, à mon avis, il a dû paniquer. Mais par contre, monsieur, c'est pas possible, vous pouvez pas partir comme ça. Donc c'est pour ça que je vous arrête, je vais vous appeler pareil, je vais vous appeler un taxi, c'est possible. Ouais, je vais vous appeler un taxi, je vais vous libérer, puis je vais vous appeler un taxi. Mais je peux pas vous laisser partir, rentrer à pied, monsieur. Hein. Je suis la police, je suis là pour votre sécurité. Ouais, reste là. Bah tiens, donnez-moi vos papiers d'identité maintenant que je peux vous demander. Bah, il avait les mains dans le dos, je pouvais pas lui demander ses papiers, c'est pour ça. Il s'appelle comment, Bruno Joshua. On va vite demander au central. Bruno Joshua. On va voir, hein. Peut-être que vous êtes recherché, on sait jamais. Non, y a pas de problème. Non, mais du coup, monsieur, je vous appelle un taxi, je peux pas vous laisser repartir comme ça à pied sur l'autoroute. Non, mais ça va pas, quoi, c'est méga dangereux. C'est le rôle de la police, assurer la sécurité, donc voilà. Le taxi arrive. Et puis moi, je vous souhaite une belle journée à vous, monsieur. Bon, alors restez ici, hein. Attendez le taxi, il arrive là, il est là-bas. Il vient en contresens, il est un peu teubé. Hop. Allez, je vous laisse. Je vous laisse. Et puis je vais enlever les radars parce que ça me perturbe. Tous ces carrés verts là, ça me perturbe. Je sais pas vous, mais ça me saoule. Donc on va laisser les radars, mais on va juste enlever le marquage. Parce que sinon on n'arrive pas à voir. Enfin, on voit pas très bien. Ok, le taxi est là-bas, c'est bon, on le voit au fond. Tout se passe bien, c'est parfait. Ok, bah du coup, on va s'engager. On va attendre que les véhicules passent et puis on va s'engager pour aller voir si la situation est rétablie. Allez, c'est parti.
Bon, en tout cas, j'espère que ça vous plaît aussi ce genre d'épisode. Voilà, c'est, j'allais dire c'est tranquille, mais non, ça a mal tourné dès le début de la vidéo, mais c'est des choses qui arrivent, c'est des choses du métier. C'est comme ça, on peut rien y faire. Ok, je crois que tout a été rétabli dans l'ordre hein, là-bas. En effet. Oh là ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, il y a une intervention qui a bug en fait. On va faire genre qu'on a rien vu du coup. Donc là on a le gang des motards. Merci pour cette fusillade les gars en tout cas. Bah du coup on va continuer par là-bas. On va continuer de longer l'autoroute et puis on se fera un petit demi-tour dès qu'on pourra. Et bah tu sais quoi, j'ai une idée. Laissez-moi passer. Voilà, hein, moi je fais des trucs pas très cool. On va aller patrouiller dans les petits champs là-bas, regardez, vous voyez ? Vers la montagne là, des petites routes. Ça peut être sympa de voir s'il se passe des choses ou pas. Ah, on est l'armée hein, aussi, hein, donc autant regarder s'il n'y a pas des trucs qui se passent de bizarre. Peut-être des véhicules abandonnés, des véhicules volés. On sait jamais. Donc on va y aller. Ah là, on a une femme là qui, je pense, va prendre le volant. Ah oui, parce qu'ici, on a un petit stand, non? Non, c'est quoi ça? Park Ranger Office. Ah bah oui, c'est le... C'est un parking du coup pour les pour ceux qui travaillent dans les bois. On va un petit peu se promener par là avant de revenir et puis on va voir. En plus regardez, sur le radar je vois des petits points verts là, qu'est-ce que c'est? Il y a un petit point vert qui arrive vers moi. On va lui faire barrage, c'est quoi? Non? Fait quoi? Attendez, je vais prendre l'autre chemin, puisqu'il est en train de rejoindre l'autre chemin. Je sais pas ce que c'est. Il est là, attendez, je le vois pas. On m'a signalé sur le radar qu'il y a... What? Un singe. Sans déconner. Il y a un singe. Un singe. Poursuite en progrès, bon on va y aller. Eh le singe on va le... Eh ce sera la miniature de la vidéo, c'est beaucoup trop drôle. Un singe sans déconner. MDR. Bon on va rejoindre la poursuite, c'est quand même plus important que le singe. Attention, attention au chien. Ah c'est énorme. Ah c'est trop débarre. Un singe quoi. Un singe qui se promène dans les bois. Allez c'est parti pour la poursuite. Ah le problème c'est qu'ils vont méga vite hein. Ils vont méga vite donc on va essayer de les rattraper. On va essayer de les rattraper. Allez hein, c'est les interventions un peu basiques mais qui sont quand même très dangereuses. Ah ils continuent tout droit. Alors ça reste ma zone, attention hein. J'ai dit que je m'occupais de toute la côte ouest pour être assez vague. Par contre ouais, ce serait sympa de rattraper. Il y a déjà un collègue qui le colle au train, donc il n'y a pas besoin d'appeler un hélico. Là il roule dans la ville à toute vitesse. Peut-être qu'il va percuter il va peut-être se faire ralentir, je sais pas. Ah là là, ils vont à la même vitesse. On n'arrivera jamais, enfin moi j'arriverai jamais à le rattraper hein. Bon, on va appeler un roadblock. Donc un barrage routier. Je demande un barrage routier. C'est bon, je suis en train de les rattraper de toute façon. Donc il y a un barrage routier qui s'est fait. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, il ralentit. Je crois qu'il ralentit. Non, ça n'a pas fonctionné. Oh non, ça n'a pas fonctionné. On recommence. Je redemande un blocage. On les rattrape. Allez, un blocage. J'espère que ça va marcher. Ça n'a pas marché. Oh, il s'est fait ralentir. C'est bon. Il a ralenti. Il a ralenti, impeccable. On va lui poser une herse, on va pas perdre de temps. On va poser une herse devant lui, allez c'est parti. Hop, c'est bon. Alors on va sécuriser la zone. Non c'est pas ça que je vais faire. Ok il fait demi-tour. Ah il essaie de nous la faire à l'envers. Stop monsieur, on s'arrête. Police on s'arrête. Ne mettez pas la vie des autres en danger. Ok on va éviter de cartonner. On va éviter de cartonner. Donc ses pneus sont crevés. Hein. Là par contre, il va pas aller bien loin. Hein. On va pouvoir lui faire une tête à queue. Hop. Je sais pas les faire. Hein. Faut que je m'entraîne. Voilà. Allez, on court après lui. C'est la police, on s'arrête. Ah, autorisation de coup de feu. Hein. C'est moi qui donne les autorisations. J'ai rien demandé à personne. Ah par contre, mon collègue, il a plus de pneus. Donc je vais devoir rappeler une autre unité. Hein. Ah il s'est fait crever les pneus aussi. Allez on va le bloquer. Bloquez-le. Oh ils sont cons les collègues. Ah ils sont mauvais. Ah mais c'est les Ranch Park là.
Oh, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Ça, c'était pas intelligent par contre, mais bien joué quand même. Allez. Allez, allez. On s'arrête maintenant, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Voilà. Allez, tout le monde sort du véhicule, les deux mains en évidence. Tout le monde les deux mains en évidence. Vous bougez plus, pas de geste brusque. On s'arrête. Voilà, tous les deux. Tout le monde couché au sol. Toi aussi, tu te couches au sol. Couche-toi au sol. Ok. Allez, menotte-le. Moi, je menotte le conducteur. Voilà. Impeccable. Une bonne chose de faite. Oh là là. On va demander juste de stopper le trafic parce que sinon ça risque d'être très dangereux. Ok, on va vite fouiller. On va vite le fouiller. Eh, calmez-vous là, monsieur là. Calmez-vous là, stop, arrêtez de klaxonner, sinon je vous arrête aussi. Ok, il avait rien de dangereux sur lui. Je vais le prendre, on va le rentrer dans le véhicule. On va libérer la circulation. Allez, rentre dans le véhicule. Dépêche-toi. Allez, allez, là, rentre dans ton... Mais putain, il se passe quoi? Voilà. Ah, je suis un peu lent à la détente, hein, visiblement. Allez, on ferme la porte. Faut vite libérer la circulation. Faut fouiller le mec, là. Tiens, bah, fouille le mec. Il se passe quoi? Tu fais quoi, là? Tu fais quoi? Eh, hey, sors du véhicule, mec! Tu t'es pris pour qui? On t'a pas menotté ou quoi? Putain, eh, hey, le mec. Eh, hey, mec, tu... Il se passe quoi? Ok, alors là, je sais pas ce qui se passe. Tu restes! Arrête! Mais hey, pourquoi je peux pas le... Je vous jure, je peux pas l'arrêter. Ah, j'ai pas le choix. Hein. J'ai pas pu l'arrêter. Alors là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Oh là là! On est pris à partie. Non mais c'est une blague. On est encore pris à partie. En plus dans un tunnel une fusillade c'est pas bon ça. Alors comment on va faire? Comment on va faire? Oh là là, sans déconner. Comment? Là il faut qu'on appelle. On est pris à partie, on va appeler la SWAT. On sait pas combien ils sont armés, on se fait attaquer dans un tunnel, on appelle la SWAT, y a pas le choix. Ils vont venir, ils vont tout défoncer. Hein. Putain, la SWAT elle est de l'autre côté, putain ils sont cons. C'est bon, il est dead. Il est dead. Bon, je crois que c'est bon, je vais rentrer dans le véhicule. On va se barrer vite d'ici et la situation sera de nouveau normale hein. Allez, on se dépêche. On a rien vu, la situation va se rétablir hein. Y a pas de souci. Putain, elle s'est partie en cacahuète, en plus il y a eu un bug. Ah, j'ai un pneu qui a crevé sans déconner. Genre il y a eu un bug, où c'est que je peux l'emmener là? Ah bah là il y a une station, de toute façon il faut qu'on aille là. De toute façon on va s'en arrêter là pour cet épisode bientôt là. Mais hé, c'est incroyable ce qui s'est passé. J'ai un pneu crevé par contre, ça c'est terrible. On va pas pouvoir aller bien loin là. On va pas pouvoir aller bien loin. Mais attendez, je crois que j'ai des collègues là qui sont sur la route, je vais peut-être... Ah mais c'est la SWAT que j'ai appelée je crois. Je crois qu'il y a la SWAT juste devant. Ah ouais, elle est là, regardez. Elle est là, la SWAT. Ils ont rien compris. Bon. En tout cas, eh, les amis, c'est vraiment parti en cas... Et cet épisode aussi, franchement, entre le début où il y a eu une situation d'otage, il y a une enquête qui se fera. On sait pas du tout si c'est... Pardon, on sait pas du tout si c'est son mari, si c'est un homme, si je sais pas quoi. Mais il y a eu une situation d'otage et après on s'est fait prendre à partie par un groupe armé. Et puis après on a vu un singe, sans déconner quoi. Ah bah, tiens, quand on parle des groupes des motards. Après on a vu un singe. Je peux pas prendre les interventions par contre hein, les amis, sachez-le, comme je suis déjà en train de m'occuper de lui. Et du coup, enfin voilà, et puis là, cette histoire de... A la base, c'était juste une poursuite de voiture. C'est encore parti en cacahuète après. Ah, c'est dangereux, hein, l'Amérique.
Voilà, j'ai les pneus crevés, faut pas oublier. Faut pas jouer au thug. Hein. Bon, en tout cas, on va le remettre au poste. On va s'en arrêter là. Vous me dites en commentaire si ça vous, si ça peut vous intéresser que je refasse d'autres vidéos à ce barrage routier là que j'ai réalisé moi-même. Et puis si ça vous plaît aussi le fait que, bah, que je fasse moi-même des petits trucs sympas, tu vois, pour un peu changer le monde. Vous me dites tout ça en commentaire, j'attends vos retours. N'hésitez pas en tout cas à lâcher votre plus grand pouce bleu pour m'encourager. Hop là, on part sur un petit drift. Allez, hein, c'était calculé. C'était totalement calculé, regardez, hop. Voilà, vous êtes sur le cul là. Ah là, vous êtes sur... ah, là, je suis bien garé là. Alors là, faudra juste... voilà. Réussir à aller là. Voilà. Et ben voilà. Bref, rendez-vous pour de prochaines vidéos, pour le prochain épisode. C'était Mkolo. Ciao tout le monde.